Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la CAI. Après plus de 20 ans, 20 ans, et bien finalement, il y a le président Biden qui prend un executive order pour que yo mettez des yo, comprenez bien, pour que yo mettez des yo des informations qui étaient classées comme top secret sous ça qui était passé 11 septembre 2001. On dit non document de 16 pages qui est FBI et justement mettez des yo et côté que yo t'a essayé ouais et bien qui véritable est-ce que gagne un bagage caché parce que comment bien ça n'a pas essayé expliquer là c'est que événement septembre 2001 yo gagne plusieurs parler et ça relait théorie conspiration gagne monde qui fait comprendre que c'est pas étranger. C'est des riches, c'est des Américains qui font le même. Ils même aller plus loin pour faire comprendre que Ben Laden pas mourir vrai. Et en fait, ils font des vidéos côté que il y a plusieurs documentaires qui fait qu'a analyser façon que World Trade Center a tombé, ils t'a fait hypothèse que tu gagné un ensemble d'explosions qui était dans base là, un building pas qu'a tomber comme ça. Donc, comment bien par rapport à tout ça qu'a dit, notamment à cause de documents ça qui était caché, en pile monde dit, t'as dit bon ça n'a pas serré là pour qu'il ça gagne des informations qui classifiées. Donc en pile monde nous qu'a comprendre, t'es capable de dire que en fait yo t'es accusé gouvernement comme quoi ces documents qu'il a cachés pour pas qu'on j'en parle passer. Donc et finalement, pour couper court avec toute rumeur ça yo. Eh bien, Biden prend décision justement pour les déclassifier documents ça ainsi météo à la disponible de la communauté pour que enfin lumière faite sur ça qui dans tête mon yo. N'a pas rappelé que événement ça qui près de 3000 moun perdit la vie yo, c'est un événement vraiment triste dans l'histoire pays ça. FBI qui mettait documents ça dans l'investigation sur attaque ça t'es gagné ça t'a relé des allégations des suppositions comme quoi gouvernement Arabie Saoudite là t'a un complot ça comme quoi l'étape supporter ça nous relé hijacker moun ça yo qui t'a metté bombe sur eux pour t'éclater tête yo dans qui pour te détourner avion ça yo et bien après et décision executive order ça yo mette yo dehors et pas oublier que you know raison qui fait que Biden prend décision ça parce que gen pile nan fami victime ça yo qui t'a dit Biden li pa besoin mette pied nan memorial qui t'a pral fait là si jamais il pas respecté mol puisque you know engagement Biden te prend depuis nan campagne il te dit depuis m président moi promettre nous que moi pral déclassifier. Ça veut dire que ça, moi, pour mettre les documents à la disposition de tout le monde pour capable de façon pour ne pas gagner sanitaire, cacher l'ombre, ni aucune inquiétude dans la cause de ça. Et les familles victimes sont prêtes pour ne pas accepter Biden si Biden n'a pas fait ça. Donc, 20 ans après, finalement, eh bien, les documents sont déclassifiés. Et c'est à peu près 16 pages côté FBI, justement montré à clair et yo document ça a prouvé que ça n'est les hijackers, yo moun qui te prend avion en otage et qu'effectivement yo te gagné des associés, tenez bien, de l'Arabie Saoudite. Mais yo dit pas rien qu'une évidence que gouvernement d'alors là, le gouvernement de l'Arabie Saoudite te gen yon certaine pa yo pa jwenn evidans que gouvernement te gen yon complicité nan atak sa ki rete la vi a peu près 3000 moun. Donc l'idée c'est que gen des associés mais c'est pas le gouvernement. Arabie Saoudite pendant longtemps te toujours a plaider que li pa genye anken rôle, li pa joué anken rôle nan attaque la. Ambassade Arabie Saoudite dans Washington et jodi a
content du fait que finalement yo mette document ça au dehors. Non déclaration qui a été fait 8 septembre, ambassade là dit que yo était toujours bataille pour gain transparence à travers événement 11 septembre 2021 et yo content que finalement les États-Unis eh bien release mette dehors document ça qui est classifié. Tant que l'autre investigation qui a été menée, la commission, il dit pas de évidence qui émerge, qui indique que gouvernement ou bien officiel, justement, comme quoi, ta connaît, ta au courant au départ qui attaque ça, ta pral fait et que yo ta impliqué. Mais n'a pas rappelé pour vous que dans 19 hijackers qui te prend avion ou en otage, dans 19, gagné 15 là-dedans yo et c'est ça vous comprenez qui vient faire que yo t'a parlé de Assad là oui dans 19 gagné 15 c'est dans pays Arabie Saoudite que yo sorti donc commission au niveau gouvernement des États-Unis yo pas arrivé joindre ça n'a rien d'une évidence qui directement t'a relié comme quoi Al-Qaïda t'a fondé OK dans Afghanistan. Donc, ça qui te open, est-ce que tu as gagné des soutiens économiques, gagné des hypothèses qu'a fait sur ça? Donc, famille de, en fait, près de 3000 personnes qui perdent la vie, et 20 autres, justement, qui subit des blessures, business, plusieurs autres compagnies, justement, yo tout, yo te décidé reler la justice. L'Arabie Saoudite, écoutez que yo t'a cherché des milliards de dollars. Donc ça qui t'a pour ça qui t'a appauvri. Comprenez bien, il y a des procès qui ouvri contre l'Arabie Saoudite et on ka comprendre peut-être qui ça. Yo joine 10 15 parmi 19 yo qui t'est sorti et dans l'Arabie Saoudite. Donc document ça qui sorti samedi qui s'est passé là eh bien li mette de côté, li mette dans sommeil tout doute qui te gagne sous la complicité de l'Arabie Saoudite dans l'attaque ça. Mais Kounia, eh bien, et tout secret exposé, donc ça vient faire que l'Arabie Saoudite, justement, t'a capable de gagner une tête frette dans ce moment-là. Mais information ça, autour, quelque part, retire doute qui t'a claironné en pile monde qui te dit que ça n'a pas caché comme ça 20 ans après pour que justement nous poko eh bien n'a gagné des informations qui étaient secrètes toujours donc document ça yo en fait est capable permettre que eh bien moun k'ap fait toute qualité hypothèse toute qualité scénario yo même venir avec chiffres mais ça 11 là représente donc montrer que pas vraiment gagné rien dans information qui t'est caché yo qui t'a montré que t'a gagné une certaine complicité au niveau de entités dans le gouvernement des États-Unis ou bien des groupes au niveau pas bon ici aux États-Unis. C'est même en tout ça nous les théories conspirations rejoignent tout côté. Je ne j'ai dit à nous tendez vers les théories conspirations qui gagnent sous pandémie coronavirus là gagnent des théories conspirations sous vaccin ça qui dit c'est la marque de la bête. Ça nous tout bagay. OK, mais ça nous voulait dire pour tout le monde. Nous-mêmes, nous toujours été ouverts. Et tout ça au monde pas ca prouver li c'est une conspiration tout simplement. OK. Donc, cette histoire que pour le monde et on monte sur Insta pour faire une vidéo par le fait que ma connaît ou t'es ou gagne un titre et que tout prévisé par l'évangile. Il va j'aime ça. OK, il ca toujours confronté ça dit. C'est approche ça justement tout le monde t'a supposé gagner un monde qui ouvert. Et pour tout le monde qui ouvert tout avec causé qu'a parlé sous vaccin et coronavirus là, me penser que n'a pas rien qui l'évangile dans moment pour que en pile monde voulait qu'on accepte de fait que bien c'est nèg créa fait yo qui m'a dit ça là. Son gen a fait pour expérience a fait sous monde nous tout simplement pas gen preuve pour ça OK nous pas gen aucun preuve de ça donc l'irrité une véritable conspiration
Et ça a été pareil justement pour l'événement 9/11, puisque nous n'avons pas aucune base pour formuler l'hypothèse qu'il y a à faire. Donc voilà, guys, justement, nous avons fait analyse pour vous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.